P4. Avouez qu'on se demande qui, chez Peugeot, a eu l'idée de lui donner un tel nom. Pour ceux qui ont fait leur service national, être réformé P4, c'était être inapte à la vie militaire pour des raisons essentiellement psychiatriques. En gros, le tampon rouge débile s'étalait sous votre matricule et vous rentriez chez vous épargné de corvées, de marches dans la boue, de montage-démontage de FAMAS et autres joyeusetés. Malheureusement, c'était aussi se priver d'une découverte automobile, celle de cette Peugeot, qui était en réalité, pas vraiment française.